Bonjour mes élèves. Très contente de parler avec vous une autre fois. Aujourd'hui, on a un nouveau conte. Regardez le titre, Les trois petits cochons. Alors, ce sont des contes pour découvrir le plaisir de lire, de raconter et d'écouter. On va commencer, suivez avec moi. Avant de commencer, toujours, je vois l'image. Regardez les trois cochons. Ce sont des animaux. Regardez le loup. Regardez, il y a des maisons devant vous. Les trois cochons. Regardez le loup. Et on va commencer notre conte. Il était une fois trois petits cochons qui voulaient bâtir leur maison. L'aîné, Nif Nif, qui était paresseux, construisait sa maison en paille. Ce fut très vite fait. Le deuxième, Nouf Nouf, la construisait en bois, ce qui prit un peu plus de temps. Mais le troisième, Neuf Neuf, qui était le plus courageux des trois, la construisait en briques. Pendant que ses trois frères chantaient, danser et jouer à saute-mouton, il cuisait les briques et mélangeait le mortier. Ses frères se moquaient de lui, mais il leur répondait: Ma maison sera bien plus solide que les vôtres. Vous verrez quand le loup viendra. En effet, elle vint. Elle toqua d'abord à la porte de Nif Nif. Et comme le petit cochon n'ouvrait pas, il souffla de toutes ses forces. Et bouf, la maison s'envola. Vite, vite! Nif Nif courut se réfugier chez son frère Nouf Nouf. Le loup le suivit et toqua à la porte de la maison de bois. Comme Nouf Nouf n'ouvrait pas, il donna un énorme coup de pied. Et, crac, la maison s'effondra. Vite, vite! Nif Nif et Nouf Nouf coururent se réfugier chez leur frère Neuf Neuf. Le loup les suivit et toqua à la porte de la maison de briques. Comme Neuf Neuf n'ouvrit pas, il souffla, puis donna des coups de pied, des coups de tête, des coups de dents. Rien à faire. La maison était solide, qu'il ne bougea pas. Alors, le grand méchant loup monta sur le toit pour rentrer par la cheminée. Mais, comme Neuf Neuf avait fait du feu, elle se brûla les fessées. Les fesses. Hein? Regardez ce conte, c'est un conte très amusant. Regardez les noms des trois cochons. On a Nif-Nif, on a Neuf-Neuf et on a Nouf-Nouf. Ce sont des noms très amusants. J'espère, mes chers élèves, que vous avez bien compris ce conte. Hein? N'oubliez pas d'activer la cloche j'aime et abonnez. On va voir d'autres contes. Au revoir, mes chers élèves.